Deux mois après la mise en place du bouclier tarifaire, beaucoup ont en tête un chiffre. C'est pas 15%? Je crois que la hausse des prix, ça doit être une quinzaine de pourcents. Et oui, souvenez-vous, en septembre dernier, voici ce qu'annonçait la première ministre Elisabeth Borne. Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15% pour l'électricité en février. Mais ce soir, le ministère de l'économie le reconnaît, il s'agit de 15%, oui, mais en moyenne. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ces augmentations sont différentes d'un abonné à un autre. Nous avons contacté EDF, l'entreprise le confirme. Les clients peuvent constater un écart entre l'évolution de leur facture individuelle et la hausse moyenne communiquée publiquement. Cet écart dépend du contrat et du logement. Prenons deux exemples. Pour un couple avec une petite maison et un contrat classique, plus 15%. Mais pour une famille dans une grande maison avec un contrat heure pleine, heure creuse, plus 18%. Bien au-delà de la limite annoncée par le gouvernement. C'est compliqué, je trouve. On ne sait pas du tout si on fait partie des bons ou des moins bons. Enfin, on ne sait jamais dans quel lot on se trouve, finalement. C'est un effet assez regrettable qu'il ne soit pas limité clairement à 15%, oui. Pourquoi avoir choisi ce chiffre de 15% s'il ne concerne pas tout le monde? Parce que la majorité des augmentations s'en approche, mais pas seulement. La communication se base souvent sur le chiffre le plus bas, hein, pour montrer que l'aide est importante et que la hausse sera contenue. Comme l'inflation énergétique est très importante et a un impact sur la consommation, eh bien, l'idée c'est que les ménages aient confiance et continuent de consommer. Ce bouclier tarifaire est effectif jusqu'à la fin de l'année. Sans lui, le prix de l'électricité aurait été multiplié par 2 ou par 3. Facture annuelle pour l'État, 27 milliards d'euros.